C'est un budget très décevant. C'est un budget d'austérité financière. On limite la croissance des dépenses à peu près à 2 % Ça implique directement des compressions budgétaires. Ça, c'est à coup sûr. Et dans le contexte actuel, on n'est plus dans les années 90 où là, on pouvait parler de réorganisation de services, réorganisation du travail. On est vraiment dans les services directs à la population. Et dans ce sens-là, on trouve ça extrêmement inquiétant dans la mesure où c'est un budget qui met l'austérité au poste de commande. Dans le fond, c'est un budget qui était électoraliste au sens où on n'a pas voulu indiquer où allaient les compressions budgétaires, mais les surprises seront après les élections. Nous, on aurait souhaité que le gouvernement de Mme Marois aille de l'avant, par exemple, avec des propositions qui auraient pu, par exemple, permettre d'oxygéner les services publics en acceptant de détourner une partie des argents qui vont aller vers le Fonds des générations et du remboursement de la dette vers le financement des services publics et des besoins liés aux services publics à la population. Nous, on appelle à un débat large sur l'ensemble de la fiscalité, parce que si on veut financer correctement nos services publics et nos programmes sociaux, ça prend plus de revenus. Donc, par exemple, on pourrait jouer sur les dividendes et le capital qui ont été coupés dernièrement en termes de niveau d'imposition, sur les revenus d'imposition supplémentaires, sur l'impôt pour les entreprises. On va espérer qu'après les élections, le gouvernement revise quelques paramètres de ce budget-là pour se donner un peu plus de marge de manœuvre pour être capable justement de négocier des conditions de travail, des conditions salariales qui sont à la hauteur des attentes des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Sinon, ça risque d'être une confrontation? Sinon, ça risque d'être bien compliqué, effectivement. On a vu que le fédéral, il nage dans l'argent. Donc, on se serait attendu à ce qu'un gouvernement souverainiste en fasse un peu plus sur la question du déséquilibre fiscal. En tout cas, s'il y a une prétention social-démocrate, il ne l'a pas démontré dans le cadre de ce budget-là, ça, c'est clair.